Salut à tous les amis, c'est Spirit, comment vous allez? Moi ça va très bien. Donc voilà, donc on se retrouve encore pour un unboxing et ça sera jamais fini. Du boîtier Corsair 680X Crystal Black. Voilà, je l'ai enfin reçu, donc ça fait plaisir. Plus c'était en promo. Il n'y avait plus que 3 en stock sur ce discount. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'acheter? Autant en profiter. Voilà. Donc voilà la bête que je viens juste de recevoir là. Donc on va le déballer. C'est parti. Je vais chercher un couteau. Je reviens. Voilà le couteau. On va ouvrir la bête. Et pour vous dire que le lendemain, bon, je vais regrouper avec les vidéos et tout. Je recevrai les trois ventilateurs de Corsair, à peu près les mêmes que ceux-là, là. Donc voilà, donc ça sera pour le airflow, donc ça sera nickel. Et c'est parti, on va ouvrir. Alors, faudrait déjà que ça coupe. Ça coupe. C'est déjà ça. On va charcuter le carton, hein. On s'en fout. Hein. S'en bat la race du reste. Voilà. Voilà. Le voici. Donc, nous avons un filtre à poussière. C'est très bien. La notice. Que l'on verra après. Donc il y a un petit trou dans le carton. C'est un peu du plastique. Au début, je trouvais que c'était du métal. Oula, donc ouais, je vais devoir faire ça. Attendez, je me réinstalle. Donc les amis, donc c'est parti. On va ouvrir ça là, par terre. On n'a pas le choix. Aïe! Hop là! Ouf. Alors, ça s'enlève ça ou pas? Oui, il faut. Comment on prend ça? Ah, ils sont marrants, eux. Putain. Ah, qu'est-ce qu'ils sont chiants. On va faire un truc. Dès que j'aurai trouvé le moyen, je vous remets. Re les amis, donc là je transpire. Donc là, j'ai trouvé le moyen enfin comment faire. Donc j'ai allongé et je tire. Il est dur. Va retourner comme ça. Ça devrait peut-être mieux. Allez, allez ma belle. Sors d'ici. C'est mieux en fait allongé comme ça. C'est beaucoup mieux. Partir par là. Attends. Mais c'est trop lourd. Oh! J'ai pas envie de le casser le carton parce que dessus je mets toutes les boîtes des composants. Donc du coup voilà. Voilà, on y arrive. Allez. Oh. Ça va tirer encore. Voilà. On y est presque. Ah ben voilà. Allez. Voilà le carton. On dit au revoir. Vous verrez plus du tout. Hop là. On va mettre le truc à l'endroit quand même. Voilà. Attendez, je rapproche un peu la caméra. Donc, comme vous pouvez le constater, regardez, il y a le filtre à poussière là qui se met dessus ou à l'arrière ou en dessous. La notice qu'on verra ça après. Bon, ça c'est moi qui le vois. Donc voilà, on commence par là. Voilà. Donc la vitre est en verre trempé, les vitres sont en verre trempé.
680X Crystal. Attendez. On va faire un truc. Pour mettre la surprise. Attendez, je reviens. Petite surprise. Amis, vous avez vu la bête, hein. Donc on va s'en tirer là pour l'instant et le lendemain je vous retrouve pour les ventilateurs. C'est parti. Et salut à tous les amis, je suis là, voilà, je suis de retour, voilà, on est de retour. J'ai reçu les ventilos, on va les monter tout de suite. C'est parti. Now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.
C'est terminé pour cette vidéo. Bon, j'ai un peu galéré pour visser parce que dedans il n'y avait pas de truc pour visser dans les plastiques de ventilateur. Du coup, ouais, j'ai dû redévisser. Bon, hein, c'était le bordel, mais bon, j'y suis arrivé. Le principal, j'espère qu'ils marcheront. Donc, j'aurai plus qu'à placer les câbles, faire passer les câbles, après à tout préparer. Et dès que j'achèterai la carte mère. On achètera les barrettes de RAM, le processeur et tout bordel, et puis water cooling, et puis voilà quoi. Et après, ça sera un PC nickel qui marchera très bien. Donc pour la prochaine vidéo, je prévois d'acheter la carte mère, et peut-être une carte graphique, et de toute façon, on sera obligé de l'acheter. Voilà. Donc voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un nouveau montage et tout. Donc voilà, c'était Spirit, à la prochaine les gars. Ciao.